C'était pour pas être de folie qu'il y a encore. C'est pas que pour faire du local. On peut faire aussi du DX en AM. Alors je suis, ouais, canal 38. Alors fréquence d'appel USA Canada. Pour, oui ben voilà, en Lima Sierra Bravo, NSB. Comme quoi les supérieurs ne sont pas réservés, comme quoi on n'est pas obligé systématiquement de monter en supérieur pour faire du DX. Hein. On peut très bien aussi en faire de ce côté-là. Du moment qu'on ne se met pas par exemple sur le 19. Ah, on va y laisser la place. Du moment qu'on ne se met pas sur le 19 par exemple, en UE, enfin en BLU ou en FM, car le 19, c'est le canal de la route partout dans le monde. Hein. Bon là par exemple, je suis étonné, là c'est un peu plus. C'est plus calme. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus haut. Les anciens postes, c'était facile de basculer comme ça dans les modes. Là, c'est la première fréquence d'appel en BLU. Comme le dernier coup, lui, il est trop gros pour moi. Je le laisse passer et je repars plus vite. Alors le 4 supérieur, fréquence 27455, beaucoup le disent mort, déserté. Pourtant on entend des appels. Donc face au message que l'on peut voir pour quoi que ce soit au niveau de la CB, le mieux est toujours de vérifier par soi-même. Mais pas sur 10 secondes. Il faut prendre le temps de ça, d'aller à la pêche. À la pêche, à l'écoute d'un premier temps, puis après on prend le micro et on se lance. Seconde fréquence d'appel en BLU. Alors, à l'origine, cette fréquence d'appel est la fréquence du club Alpha Tango. Mais victime de leur succès, du coup, tout le monde a migré là, du 455 pour arriver sur le 555. Les Alpha Tango, c'est quand même le ou l'un des plus gros groupes au monde. Hein. Ah, des Canaries.
J'ai écouté là de temps en temps parce que j'ai un ami côté Québec, hein, dont son groupe Facebook porte le même nom. Enfin, du moins, il y a d'afficher cette fréquence-là sur son groupe Facebook, hein, le groupe des talents. Mais là, visiblement, ça passe pas de ce côté-là. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 kilomètres, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence des kilomètres depuis le, en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Ah ben j'ai une balise qui me répond. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile sur la fréquence des kilomètres depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Et du côté de la colline qu'on peut, je ne sais pas si on voit sur la caméra à droite. Alors c'est peut-être trop à droite là pour le voir dessus. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Ah, j'ai cru que quelqu'un me répondait, mais ça va être des étrangers. Hein. Je comprends pas ce qu'ils disent. Attention, les stations pour Dandy 33, break, 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 depuis le sud-ouest de France, break, break, break. Alors, je déconne là sur ce canal, de toute façon, il est fait pour ça. Hein. Parce que je sais qu'il y a quand même quelques Français qui viennent dessus, hein. Bon, ils ont raison, c'est de temps en temps faut lâcher un peu la vapeur sans faire chier le monde. Voilà. Alors ceux qui se reconnaîtront, les bonnes 73 à vous de la part de Dandy 33. Ah, papa 22. I just need a little bit of help myself. Can you give me some help?
automobile in no condition is back wide. Une façon de parler. Excellent. Free and free and free, don't worry about the mother, can we get the land free? C'est dans l'extravagance. L'extravagance à l'américaine. Ah, on dit des Italiens, hein. Là, quand on va sur le 5 supérieur, mais eux, c'est pas triste. Hein. Et là, on est loin d'eux pourtant. Là, par contre, je comprends pas. NC385, hein, c'est bien ça. Si on l'entend d'un côté, on devrait entendre ici aussi. Là. Étonnant quand même ça.
Salut les stations en fréquence depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors, côté circulation, eh ben c'est le caca habituel. Alors, rocade est, ça bouge pas mal pour monter en direction du nord. Sur le pont d'Aquitaine, dans le sens de la montée, c'est pas mal embouteillé aussi. Ça roule un petit peu quand même. Les 73-51 tous de la part de Dandy 33. Break, break, break! Salut Dada, comment vas-tu? Ben, c'est que j'avais pas mal de QRM en plus là où j'étais. C'est vrai que j'ai entendu quelque chose, c'était à peine perceptible à cause des QRM, bien entendu. Et là, effectivement, là, une fois rendu sur le pont, et ben voilà, là, c'est là où vraiment je t'ai entendu. Là, je suis en bas, je suis à la hauteur de la première sortie là en bas, je sais même plus quel numéro c'est là. Bon, peu importe, en bas du pont d'Aquitaine, voilà. Et tu vois, juste avant, j'étais passé là sur le canal 6 de ce côté-là, entendre les autres déconner plein pot. Hachi, trois coups. Pour le coup, ça a déteint un petit peu. Hachi. Ah ouais, j'ai vu ça. Attends, je viens de passer une zone de QRM. En plus, là, j'arrive en plein dans les bouchons. Ouais, on va se retrouver à l'arrêt. Voilà, c'est ça. voilà, là, on est tous arrêtés, là. Tu me disais ? Ouais, je reprends la route et je te reprends depuis le cinéma familial. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Oui, il y avait de la surmodulation là. Les 73-51, les deux stations que j'ai entendues là, dans la derrière, de la part de Dandy 33 sur la rocade de Libourne, n'importe quoi moi, la rocade de Bordeaux, coincée dans les bouchons là, juste avant le lac. Bon, ça passe plus, oui Daniel. Ah, c'est difficile, hein. C'est perdu dans les QRM la station. Bon, c'est pas grave, les 73-51, bon, si c'était pour un test, ça fonctionne de mon côté. Et je te reçois d'un espèce de bout à bas, là, c'est de noyer dans les QRM. C'est plutôt ça. C'est pas évident là. Au moins il sait que ça fonctionne. Si c'était un test. Ouais. Non. Ah. Ça a chuté de ce côté-là, mais pas pour longtemps. Voilà, le temps de relancer à nouveau les caméras. Ok, ouais, je suis en train de faire une petite vidéo là, en même temps. Donc là, tu verras la différence entre tout à l'heure et là maintenant. Putain la vache, c'est le jour et la nuit, hein, entre les deux stations. Attends, non, dans le push, tu étais avec le petit poste, et là, tu es avec le gros, là, au QRA, c'est bien ça.
Oui, voilà, je servais le gros là. Attends, alors ce que je vais faire, je vais basculer sur le petit là, sur le méga pro. Je vais mettre sur le petit là, le méga pro, et après, alors, je remarque que tu vas te rapprocher, donc je vais mettre sur le méga pro plutôt. Ah, c'est comme tu veux, hein. Surtout que là aujourd'hui c'est pas mal perturbé, il y a pas mal de QRM. C'est peut-être des QRM autres que de QRM électriques habituels. Et oui, vu l'activité solaire là en ce moment, les trucs là qu'il y a et tout, ça génère pas mal de choses. Et à choisir, je préfère t'entendre, t'écouter sur celui-ci. Hein. Au moins je suis sûr de t'entendre. Ah bah tu m'étonnes, c'est beaucoup plus QRP, c'est plus aigu. C'est par rapport au bruit que j'ai derrière, c'est juste limite. Bon ok, bon mais je remarque sur le gros alors. Ouais je préfère, ouais. Ouais, je chie trois coups, ça sera mieux. Hein. Là c'est vrai qu'avec le bruit qu'il y a derrière, vaut mieux que tu sois sur le gros. C'est oui. D'ailleurs, derrière, je t'envoie pas mal aussi pour être sûr que ça passe de ton côté également. Quoi. Ouais, tu m'as fait du 56 là. Voilà, 56 là, je suis revenu avec le gros. Et là, je suis à. Ouais, je dois avoir 35 watts là. Ah, ben c'est bien suffisant. Hein. Là, c'est nickel. Là, oui, effectivement, là, ça. En AM, là, c'est ça passe du gros même. Hein. C'est nickel, hein. C'est propre, c'est net, c'est costaud. C'est oui, c'est une modulation costaud. Oui. Bon, as-tu l'occasion de faire un peu de DX aujourd'hui? Je me suis levé là à 15h, ouais c'est ça, oui. Et j'ai vu qu'il y avait de la propag. Ah non, aujourd'hui, là, j'ai pas fait de radio puisque j'étais. On est parti depuis ce matin avec Monique chez une amie là sur Mérignac, comme je te disais. Et ensuite, ouais, j'ai un peu de bruit, c'est pas mal, j'étais en train de ranger le tournevis, là j'ai mis un clou là pour mettre la pierre à l'intérieur. Donc, non, j'ai pas fait de radio du tout aujourd'hui, je n'ai pas écouté, rien du tout là. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu comme propagation, rien du tout. Ok d'accord, ben à 15h là quand je me suis levé là j'ai fait rapidement là une mini vidéo qui est sur les groupes. Voilà juste de ce côté là. Et tu verras dedans là ça arrive de partout, ça arrive de l'ouest, ça arrive du sud, ça arrive du nord, puisque je crois que j'ai entendu aussi la Hollande. Ça arrive de partout là. Ok d'accord. Je vais faire la vidéo et je vais mettre sur le groupe Planète Civil Francophone en direct. Voilà, comme ça, en plein direct. Voilà, ça sera fait. Est-ce que démarrer, pourquoi je vais pas jamais démarrer elle. Voilà, comme ça on pourra. Voilà, ça y est, ça commence. Oui, voilà, 73 en plus, c'est-à-dire 114 km 4306. Le cœur. Voilà. Radio en direct avec notre ami Rémi Dendy 33, qui n'en a que 33 sur 1. Voilà, 73 à tous et bonne vidéo. À toi, retour. Ok, les 73, 51 à tous, voilà, bon ben pour la présentation c'est déjà fait, Daniel s'en est chargé, toujours aussi pro Daniel, Hachi. Alors ce serait pas mal qu'on ait autant de monde qu'hier, c'est ce que, il y avait du monde hier, hein. plus le 1000 pattes qui nous avait rejoint sur, depuis le pont de la Dordogne, ça fait un bout de route, hein. La vache. Et il y avait Michel, il y avait d'autres, il y avait une autre station aussi, je sais plus qui. Enfin bon, bref, c'est vrai que ce serait pas mal aujourd'hui là qu'on refasse la même chose. C'est, ça montrerait que, ben si, malgré qu'il y en a qui continuent à dire qu'en AM c'est mort, que sur le 19 c'est mort, ben si, pourtant si, ça n'a jamais été, enfin si, ça fait longtemps que ça n'avait pas été aussi actif. Et ça l'est de plus en plus actif même.
Ah oui, donc, bon, t'as les 73 de notre ami radio-amateur civiste, TNR. Voilà. T'as le bonjour de Pascal, Sébastien FDX0, et 73 à tous les autres, bien sûr, que je vois pas qui pourraient. C'est moi, Pascal, qui vous parle ou pas? La vidéo sera le temps de la vie entretenue, là, puisque. Enregistrez le break, deux secondes. Voilà. Oui, oui, mais écoute, oui, là, les vagues de propagation, là, j'ai pas été voir, je sais pas, je te disais tout à l'heure, là, j'ai pas été voir le spectre non plus, le spectre radio solaire. Donc, ce qui fait que, malheureusement, là, je. Bon, après, salut Romuald, d'aller vos chiffres à toi aussi, voilà, en compagnie de Rémi Dandy 33. Hein. Voilà, je suis en QFO avec Rémi Dandy 33. Il n'a pas mélangé son micro, gars. Bien le bonjour. Ah oui, tu es. Voilà, t'as Romuald. T'as aussi le bonjour de Romuald. Tu vois, t'as plein de même, ce Rémi-là, qui vous salue. Ok, putain, j'attendais que tu relâches le micro. Mais justement, toi, il y a une station qui est arrivée là derrière, là, qui t'a même surmodulé, Hachi, qui confirme aussi qu'il y a de plus en plus de monde de ce côté-ci. Retour à lui, avec les bottes 73-51, la station de Dandy 33, là, sur la rocade de Bordeaux, à 500 mètres là, de la sortie Bordeaux Fret. Ok, les 73 et Loulou 33 que je viens de croiser là sur sur la rocade. Et il est dans le sens inverse, il est en direction du pont d'Aquitaine, là je viens de le voir. Et j'ai aperçu là ces doubles antennes par la même occasion. Ah ok, d'accord. Mais c'est pas le chauffeur de chez vous, Loulou 33, parce que je l'ai croisé ce matin en allant chez mon ami là, sur Mérignac là. La copine là, et puis qui m'a salué là, un chauffeur de chez Bouygues. Donc c'est pas un chauffeur de chez eux. Alors moi, dans tout ça, je m'y perds. Tu as Loulou 33, que je viens de croiser là à l'instant. Tu as Doudou 33. Tu as Doudou. Oh, je sais pas combien ils sont. Ils sont plusieurs. Je m'y perds dedans. Mais oui, effectivement, tu en as un autre. Je crois que c'est plutôt Doudou 33 dont tu parles, avec des doubles antennes blanches, et il se sert d'une antenne qui est plaquée derrière la cabine au lieu de ces doubles antennes. Hachi trois coups. Aïe, aïe. C'est que je sais pas ce qui m'attaque comme ça au QRM. Voilà, t'as les 73 aussi de Rémi qui est derrière, qui va te retourner le micro après. C'est pas grave, les bonnes amitiés. Voilà. Donc, quand le Y elle arrive, Enregistrez le break, mais t'as il va nous lâcher son micro là, Daniel. Hachi! On n'entend que lui, Ouais, mais de ce côté-ci aussi, il y a du monde, ça bouscule derrière. Tu verras de mon côté, là, dans la vidéo, ça surmodule de tous les côtés. Hachi, trois coups. Je laisse un blanc pour les laisser prendre le micro, car on est quand même sur le canal de la route. Hachi. Donc, les 73-51, les stations en fréquence derrière de la part de Dandy 33 sur la rocade de Bordeaux, à la hauteur de la zone de fret. Voilà. Et de 14 km, 3 de 3 sur la route.
Ok Gilles, les 73-51 toi, ben toi qu'on n'est pas tout seul, toi Daniel, il y a eu d'autres stations aussi parce que j'ai entendu plusieurs surmodules. Ok, j'ai laissé le blanc. Ok, Vega 33, branche-toi au haut-parleur extérieur dessus, ça change la vie. Hachi, et le haut-parleur extérieur, tu fais comme moi, tu te le colles sur le dessus du tableau de bord. Ce qui fait comme ça, t'es sûr de rien rater, quoi. Ouais, j'ai entendu quelqu'un d'autre aussi. Ouais, bon, je suis Denis, bon, je suis Vega de 14 km, 320, opérateur. Ok, le Vendéen, 14 km, 33, 20. C'est bon ça, Daniel. Tu as eu raison de faire ton direct. Plus ça va, plus ça arrive. Comme quoi, pour ceux qui ne comprennent pas que rester en écoute, ben forcément, on n'entend personne. Parce que ben, quand tout le monde reste en écoute, ben, ça fait beaucoup moins de bavards. Là, tout le monde prend le micro et ça fonctionne. Il y a du monde de partout. Salut, William. Allez, bon chiffre, mon petit Vega. Affirmatif, je m'en vais au pro, là je m'en vais sur Mérignac. 73, monsieur. Eh, 73, oh, ça c'est une voix que j'ai pas entendue depuis longtemps. En bas, enfin du côté de l'Ormont, je serai pas plus précis. Les 73-51, toi. Et 73-51, non mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Voilà, j'ai entendu une autre station aussi, mais plus QRP là également. 73. Oui, toi, les 73-51, oui, j'ai reconnu la modulation, mais j'arrive pas à remettre le prénom dessus. Ah ok, oui, non mais n'importe quoi, j'ai confondu avec une autre station qui est en bas de l'Ormont. Voilà, donc j'avais confondu. Désolé Michel pour la petite confusion. Ben, c'est pas grave puisque de toute façon notre station est tout aussi QRO. Ah, c'est pas grave, Rémi. Il y a un autre mot. Voilà, d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelques temps, j'avais un pylône chez moi dont j'ai pas eu l'autorisation de mettre en place. Et je l'avais refilé justement à une station qui se trouve là en bas de l'Ormont, qui l'a rapidement monté et il n'en est pas mécontent du tout. Voilà pour la petite anecdote. Ok, d'accord. Ben, salut Gilles, je te salue mon poulet. Voilà. Les rochers, pas toi, Gilles. Daniel, bien sûr, on s'entend. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu travailles pas aujourd'hui? Moi c'est pareil, là, pour lundi, là, j'ai un bis dans les horaires, là, je débauche demain soir à 20h, il me fera embaucher lundi à 6h. J'avais envoyé.
Ah, chie trois coups. Mais il faut que tu travailles pour payer nos retraites à tous, nos retraites futures à tous, Daniel. Il faut que faut que tu y ailles. C'est H24 que tu devrais travailler. Ok, je fais le QSP, il a fait que 25 camions aujourd'hui. Oui, Michel est derrière aussi. Non mais comme c'est là, tu sais, hé, nous autres, les mecs, on n'est pas multitâches. Et Daniel en est l'exemple flagrant. Comme c'est là, il est en train de regarder les messages sur son téléphone, puisqu'il est en train de faire un direct là sur le groupe Facebook La Planète Sibi Francophone, à chier trois coups. Et du coup, ben du coup, il est. Ben voilà quoi. Il va revenir de suite. Là, c'est, je retourne le micro, je pense que là, ça doit être bon. Non, on est tous là, Daniel aussi il est là derrière, il est là hein. Sauf que ben là il est en train de faire son direct, il est en train de regarder les messages et du coup voilà, il nous entend plus quoi. Je croyais que c'était bon en lui repassant le micro là juste avant, mais en fin de compte non, pas encore. Toi, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi rester en écoute alors qu'on peut prendre le micro? Voilà, surtout que là, il y a pas mal de monde. C'est comme a dit Gilles là tout à l'heure, il y a longtemps qu'il n'avait pas vu une telle cacophonie, autant de monde comme ça sur le 19. Mais il suffit qu'on soit là à prendre le micro, tout simplement. Du moment qu'on est là à prendre le micro, tout le monde prend le micro. Mais quand on n'est pas là à prendre le micro, ben, tout le monde reste en écoute, et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que justement c'est ça le but du jeu, que tout le monde prenne des micros. 88 Isabelle. Pour le coup j'ai oublié de lui envoyer les 88. Hachi. Voilà. Ah ben, je fais, tu vois, il y a, j'ai,
Allemande, à Chibracou. Voilà, sachez, on salue bien sûr tout le monde, tous les écouteurs, et qui font, voilà. Mais il ne faut pas mettre le micro, il ne faut pas avoir peur, c'est ça, aujourd'hui, que les gens ont peur, là. Lâchez un peu vos téléphones, là, sauf bien sûr pour faire du direct, pour prouver que vous êtes derrière en direct, sur la radio, voilà. Faites comme nous, faites du direct, n'utilisez pas uniquement pour, rester plantré à chez soi et enfermé derrière ces quatre murs. On a été assez emprisonnés comme ça avec cette... Qu'est-ce qui va nous sortir comme connerie? Qui nous prend la vie, là. Et, reprenons la vie normale, sortez les micros, sortez, voilà, et discutez, les gars, discutez. Il faut, voilà, parce que alors, on voit qu'il y a du monde, mais il faut pas, là, les micros, il faut. Même si on dit des bêtises, c'est pas grave. Justement, il faut dire des bêtises. Voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi. Daniel, j'ai une question très très technique à te poser. Ça tombe bien, vu que tu es en train de passer, que tu t'attaques à la licence radio amateur, je pense que tu devrais arriver à répondre. Quand on prend le micro, est-ce qu'il faut appuyer sur la pédale du micro ou pas pour se faire entendre? J'ai toujours pas trouvé la solution. Alors, c'est une solution. Donc, déjà, décrocher. Alors, allumer son poste. Alors, allumer d'abord l'alimentation. Voilà. Vérifier s'il y a du TOS sur l'antenne. Voilà, déjà. Après, une fois bien sûr que le poste est allumé, on fait des essais. Donc, on siffle, on tout en donnant. Non, pas siffler. Il faut bien sûr pour ne pas laisser le blanc. Et donc, après, on lance l'appel et on discute, voilà, il faut lancer l'appel, dire qu'on est derrière le micro, ça, quand on fait des essais, on donne son indicatif et on fait des essais, voilà. Là, il y a quelqu'un qui a repris, je lui retourne de suite le micro. Oui, la station que j'ai entendu très très QRP, voilà, je suis route de Martignas, à côté de stationné, là, à côté de Richebourg. Il y a quelqu'un qui a repris le micro, oui, en avant. Oui, par ma gueule. J'ai des QRM partout. Ah, ok, d'accord. Ok, 100% QRM. Donc, j'irai voir. Voilà, j'irai voir demain, puisque j'aurai le temps au travail. Je le dis, on
tu me trouves un autre nom. Par là. Je suis en train de me chercher un endroit où j'ai pas de QRM pour m'y mettre. C'est pas évident. Si j'ai bien compris, Daniel, tu t'es fait griller là. Ah, je suis trois coups. Ouais, je suis en train de tourner là sur le secteur, pas très loin du pro, pour me trouver là un endroit, là, vu l'heure, là, ouais, 18h05 à peine, où ce sera assez calme au niveau de QRM, mais c'est pas évident. Pas évident. Ah oui, non, mais après, là-bas, le secteur, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Voilà, c'est vraiment pas évident du tout. Ça, je reconnais, Rémi, là, que c'est vraiment pas facile. Ouais, tout à fait. Là où tu vas travailler, là, c'est le vrai bazar. Hein. Je reconnais. Voilà. Ça, je l'ai là, donc c'est dessous. Bon, je vais apporter quelque chose, là, je vais mettre aussi sur la vidéo, là, vite fait, là, pour montrer un petit peu. Voilà. Ok. Ouais, puis après, même. Non, après, il aurait fallu que tu t'éloignes, effectivement, ça t'éloigne. Ça aurait été plus de revenir vers chez moi, d'aller derrière, là, du côté de Magudas, là. C'est à peu près calme, c'est le seul endroit là où c'est à peu près calme. Mais ça t'éloigne de. Puis, vu l'heure qu'il est, tu vas pas parler d'y aller, donc c'est trop tard maintenant. Et t'aurais dû te monter un peu plus sur Magudas, là, c'est calme, là, il y a les endroits là où c'est calme. Ok, bon, attends que je fasse un essai. Ok, je vois j'ai un de tous, c'est nickel, là, sur le poste. Je pense que là, ça ne doit pas être mal. Je suis quoi, là? Je suis devant une entreprise. Bon, il y a un grillage, là, qui, apparemment, ça doit être une ancienne entrée, un truc comme ça. Alors, tu as l'Oxam qui est sur l'autre route. Et, je reçois un SMS. Et à gauche de l'Oxam, il y a une entreprise. Et je suis dans la rue qui est parallèle, qui rejoint le même rond-point là où tu verras sur la vidéo. Tu verras, tu pourras suivre ça. Quoi. Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Ça y est, c'est le week-end pour le gilet. Ah, moi, ça sera demain après-midi, ouais. Enfin, oui, enfin, je débouche demain matin 6h30. J'allais dire demain matin 18h30, moi. Voilà, elle va être bonne la nuit. Je la sens bien. Ah, chi. Donc, lever, midi et deux. Ouais, midi et demi, là, autour de ça. Donc, c'est bon. Et là, cette vidéo, moi, je pourrais la travailler, là, ben, pas avant demain après-midi. Donc, là, ça va être nickel. Et là, cette nuit, ben, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je verrai bien. Non, j'ai du taf, hein. Si, bien entendu. Mais bon, je sais pas. J'aurais bien envie d'aller faire un tour à la plage, mais je suis pas sûr de trouver du soleil. Ah, tu risques aussi de trouver des glaçons, hein. Parce que tu vas te geler les miches, cette nuit. Voilà. Ah, j'espère que t'as tout pris, tout ce qu'il faut là pour un cochon, hein, parce que ouais, ça va pas faire chaud encore cette nuit, là. Avant-hier, là, il a fallu que je gratte. Il faisait 2 degrés là, avant-hier là, devant le QRA familial, hein, il a fallu que je gratte là. Et demain matin, je ne sais pas si ça va pas être pareil, mais bon, quand même, j'embauche qu'à 8h demain matin, ça devrait aller. Mais bon, il se peut que je gratte encore un petit peu. Mais bon, voilà, c'est toi cette nuit là qui va faire un gratte.
Eh bien justement, ce matin, j'ai gratté. Quand je suis parti là, du PC pour aller à l'entrée, j'étais surpris. Hein. Et heureusement que je m'y prévois largement en avance. Et c'est quoi ça? Ah non, non, c'est bon. Et c'est vrai que ce matin, j'ai bien gratté. Hein. Putain la vache. Donc là, ce soir, je vais voir pour foutre la voiture plutôt sous les arbres. C'est sur le secteur, il y a ce qu'il faut, ça devrait le faire. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, non, mais c'est ce qu'il faut. Ouais. Il faut. Ah, on voit que c'est vrai que moi j'ai rien mis là, sur la voiture, mais il va falloir bientôt que j'y pense à le mettre. J'ai un protège pare-brise et là il faut que je pense à le mettre. Voilà, pour quand on va les geler là, c'est vrai que c'est utile. Au moins le matin, tu enlèves le truc, tu perds 5 minutes, mais bon, pendant que la voiture chauffe un petit peu, et puis ça te permet d'éviter de gratter surtout. Voilà, puis même si tu es sur le lieu de travail, c'est pas grave, hein, au moins ta voiture, ton pare-brise, il est protégé. Oui, affirmatif. Au fait, il y a le doyen, toujours Michel, qui est derrière avec nous. Oui, au fait, Michel, est-ce que tu as toujours QSL? Oui, affirmatif. Tu vois que tu es sur la vidéo, là? Pardon, attends, reviens Michel, parce que j'ai pas eu QSL. Oui, je disais, j'étais sur le direct, là. Oui. Ah, d'accord, tu nous suivais sur le direct. Ok, donc oui, comme ça, au moins, tu peux mieux nous écouter. Au moins, c'est, voilà, c'est impeccable. Ok, c'est ça, voilà. Bon, ben là, on n'est pas sur le 325, c'est pas grave, hein, on n'est pas sur la fréquence des kilomètres, mais c'est pas grave, on est quand même voilà, en fréquence, et on a les micros à la main pour pouvoir parler, c'est impeccable. Voilà, ouais, je vois l'heure qui avance, Rémi, là, pour toi. Je pense qu'il faut bientôt que tu te rapproches un petit à petit vers le QTH. Oui, mais pas trop en avance quand même. Parce qu'il y a certaines habitudes que je veux pas qu'ils ont déjà pris, que je ne veux pas leur laisser continuer à prendre avec moi, en tout cas. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Voilà, moi c'est pareil. Quand je vais enlever la voiture avec Dormes, voilà, je prends le temps et puis après, je prends mon poste. Oui, on va laisser un petit bain. Est-ce que Gilles est toujours derrière? Est-ce qu'il a toujours QSL? Parce que je ne sais pas s'il était chez lui ou sur la route là tout à l'heure. Ok, il doit être pris là apparemment. Alors tout à l'heure, il était sur la route et sur le dernier passage, il est au QRA. Voilà. Ouais, alors pour les habitudes prises ici, c'est que les mecs, bien souvent, ils se cassent bien avant l'heure. Voilà. Alors, comme j'ai dit à certains, un quart d'heure à chaque fois sur quatre vacations, ça fait une heure baisée. Donc non, moi je mange pas de ce pain-là, quoi. Ah, ok. Ouais, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça c'est... il faut pas... Surtout là-bas, ils adorent ça. Hein. C'est, en plus, on sait qui c'est qui se barre toujours avant l'heure. Ah ben c'est tous. C'est tous. Je l'ai même vu partir 20 minutes avant l'heure. Ok, t'as Manu aussi qui nous regarde. Voilà, donc enfin bon, tu verras les commentaires, mon petit Rémi, là, comme ils sont tous affichés là, les commentaires, donc... ouais, non mais moi, après, bon, à la fin, c'est pareil, hein, de toute façon, quand on arrive, bon, les gars, bon, après, ils sont pas très pressés là-bas, c'est vrai que c'est bien. Moi, le premier, bon, on essaie de partir 5-10 minutes, c'est tout, quoi, avant l'heure, quoi, hein, donc... on fait comme ça, et puis bon, c'est vrai que quand le gars, il fait 2-3 nuits, à la dernière nuit, c'est bien qu'il puisse rentrer le bonheur, hein. Voilà, donc, moi, ça me dérange pas, et du moment qu'il y a quelqu'un, de toute façon, on est que deux, enfin, à la nuit, à la journée, donc, voilà, c'est un arrangement qu'on a comme ça, là-bas, et puis bon, ça fonctionne bien, et puis après tout, hein, du moment qu'il y a quelqu'un, c'est le principal, hein. Voilà, voilà. Oui, ben, tout à fait, voilà, ouais. Ah, mais il y a du monde, il y a 9 personnes là, qui sont en direct, nous regarder Rémi, là, 9 personnes, voilà, qu'on, bien sûr, qu'on re-salue
il y a du monde sur la planète. Ah, qu'est-ce que j'ai un invité là qui vient de se... c'est quoi, c'est mon ami Lamouche qui vient d'arriver. Voilà. Alors, je raconte tout, hein. Tout ce qui se passe autour de moi. Ah, shit. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je dis, il faut dire des bêtises, il faut dire des bêtises. C'est comme ça qu'on comble les ondes. Exactement. On n'est pas... Non, j'allais dire une connerie. De toute façon, le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire de la radio sérieusement, sans se prendre au sérieux. Voilà. Celui-là qui a compris cette phrase, eh bien, il a tout compris. Voilà. Donc, les autres qui veulent une utilisation purement militaire, et ça, pour qu'on est venu me le dire déjà plus d'une fois, je me souviens d'un ancien site forum autrefois où j'étais, où carrément les mecs se sont amusés à venir me dire que je devais rééduquer les stations à une utilisation parfaite de la radio, ceci, cela. Non mais c'est bon quoi. La CB, c'est déjà le premier réseau social. Et quand on dit ça, on dit quoi? Ben, utilisation libre. Voilà. C'est utilisation libre de la CB sans contrainte, dans le respect de tous. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de plus. On se repasse les micros. Là, effectivement, on est sur le canal de la route. On est dessus. Ok, pour ma part, je suis sur la route. D'autres stations étaient également sur la route. On fait notre QSO dessus, soit, c'est pas bien, soit, mais quand on regarde le bon côté, eh bien en attendant, on a fait venir beaucoup de monde, car tout au long du QSO, eh bien, il y a des stations qui sont venues nous saluer, tout ça, que tu entendras dans la vidéo là de mon côté, Daniel. Il est quelle heure? 18h15. Allez! Le temps de couper ça, de redémarrer tout, d'y aller tranquillement. Parce que bon, je suis plus très loin du site, hein, d'y aller tout doucement. Et ça sera bon pour moi. Donc les 73-51 tous, c'est 212 QRA, 88 Isabelle. De la part de Dandy 33, Rémi, 14 km, 33-01 en mobile sur Mérignac, Sud-Ouest France. Là, je crois que j'ai tout dit là. Ah chi. Ok Rémi, bah écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée, voilà, travaillez bien, et puis peut-être demain matin, oui, parce que je vais essayer de partir de bonne heure, je vais partir de bonne heure, puisque normalement toi tu débauches à 6h30, donc si je peux, je vais essayer de partir vers 7h moins le quart, pour qu'on puisse s'écouter encore un petit peu dans ma direction et toi dans la tienne, voilà, donc... après, ben, écoute, malheureusement, on ne coupe pas les fils à main, puisque à un moment donné, on ne s'entendra plus, hein, puisque moi, je m'en vais sur Toulouse demain, la direction de Toulouse, et toi, tu t'en vas direction la Dordogne. Donc, on sera carrément à l'opposé l'un de l'autre. Ah, si. On peut être carré de couloir, ça ira, mais bon, sur le 19, peut-être pas. Alors, oui, bonne soirée à toi, travaille bien. Les bons chiffres de 14 km, 33-06, Daniel Santor sur Saint-Mélarange à l'Anfixe. Voilà, et je te souhaite une bonne soirée, et puis en même temps, je vais couper la vidéo. Voilà, et puis salut tout le monde, tous les visionneurs, voilà, et visionneuses, voilà, puisqu'il y a des Israéliens avec nous, dont Isabelle, notre secrétaire des X de la RCI. Voilà, qui ont fait des gros bisous, et puis 73 à tous, et bonne soirée. Je vais couper la vidéo du direct, et puis bon, rester un petit peu sur l'air, là, pour voir s'il y a encore un peu de monde, et voilà, donc 73, les copains, les copines, Daniel Santor, Kilomike 3306, qui vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, bye bye, merci encore. Merci, bye bye.